Comment écrivez-vous ça? Coucou mes chéris, allô, c'est Barbie Chétif à l'appareil, on se retrouve dans les conditions du direct pour cette 492e review de merde avec un jeu qui n'était pas merdique du tout puisqu'il s'agit de Roi de Rage Jailbreak. On va zapper l'intro qui est affreuse, surtout la déformation du menton là. On est sur PS1. Bon, j'aime bien, on nous sous-titre le nom des mecs parce qu'on n'avait pas compris. Donc dans la version française, Jail et truc et Punt s'appellent pareil quoi. Ça marche pas du tout. On a un lettrage, on dirait DOS. Les graphismes 3D et le film. Ça marche. Déjà ça marche pas. On voit que par rapport à Roi de Rage qui était sorti sur PS1. On va juste voir les options. Bon, on s'en fout. Juste le jukebox, quel genre de musique on a. Putain, c'est quoi ces groupes de cons? J'en connais aucun, je dois vous... J'ai un nom avec Doggy Dog, ça me... C'est tellement minable, quoi. C'est quoi tous ces noms à la con? J'en connais aucun, donc Vice, Murnom, bon c'est toujours les mêmes. Très peu de choix, bon on va commencer le solo. Hein. Donc moi je connais bien sûr les Rois de Rage, les trois premiers sur, non pas en fait, les deux premiers sur Mega Drive. Il fait chaud, ça me donne envie de me moucher. Ça marche pas du tout cette imprécation de... pseudo. Oh putain, ils ont tous été déformés. Le moins con, bon, lui il a vraiment avec son menton. On va prendre lui et allez, voilà, continuer. Alors on va prendre ça parce que... Ouais, donc après il y a le troisième sur Mega Drive, mais il faudrait que j'en fasse un test une fois. Mais bon, j'ai pas le jeu donc une fois j'ai testé sur émulateur. Et c'est trop digitalisé, les décors et les personnages, ce qui fait qu'on des fois on voit pas trop les décors. Donc il n'y a pas trop de plaisir. Après le Roi de Rage, le premier... Attendez. Alors avec Select, on a plusieurs choix de caméra. Avec R et les R1, avec les gâchettes, c'est coup de pied. R1, L1, c'est coup de pied, coup de poing. Et R2 et L2, c'est les coups de pied. Est-ce qu'on peut faire tomber les flics? Ouais, bon, déjà... Eh ben putain, on glisse, hein. Bon, putain, allez, les rêves, bouge-toi en cul. Non, mais regardez le temps qu'on perd. Juste là, le... Putain, il n'y a pas de marche arrière. Non, il n'y a pas de marche arrière dans ce jeu. Le maniement est atroce. Quand on tourne, ça... Oh, mais peut-être c'est la moto, le choix du personnage, mais... Le frein, c'est carré. Tout à l'heure j'ai cru voir Nitro, mais j'ai pas vu de Nitro. C'est très lourd, on a un... ou alors c'est le personnage encore une fois, mais c'est super lourd. Bon, lui c'est un flic, c'est quoi? Attendez. Non, bon, la caméra arrière avec le bouton A, je vois pas trop. Les bruitages sont affreux, c'est une ambiance pourrie. Donc j'avais bien aimé le Roi de Rage, le premier sur PS1, parce que ça gardait l'univers graphique... Ouais, là, ça gardait... Voilà, qu'est-ce qu'il fait? Ça gardait bien l'univers graphique digitalisé, mâche, pas digitalisé, mais bon, on reconnaissait l'esprit. Finalement, les cinématiques s'imprégnaient bien avec l'esprit, machin. Parce qu'il n'y avait qu'un type de cinématique. Là ils veulent tout faire en même temps, ça fait un pot pourri de... et plus pourri que pot.
comprenais pas les flics. Ah oui, les flics sont là. J'ai pas vu de nitro à touche. Donc là, en plus, là, le graphiquement, bon, c'est des personnages de gang. À un moment donné, ça a dû être à la mode, gangsta... Gangsta, je sais pas... Oh là là... Regardez-moi, c'est bon, on dirait que ça continue à glisser. Normalement, ce jeu... Et voilà, un bug, j'ai été téléporté. C'est bizarre, alors tu, quand on tombe dans un roi de rage, c'était pas comme ça. Hein. Déjà, là même, on voit que le moteur de collision n'est pas le même. J'ai envie de me moucher, c'est pénible. Ouais, et le truc, les mouchoirs de maintenant, même les monoprix, avant je prenais les ED, mais même les monoprix, on se mouche une fois, ils sont déjà explosés, quoi. Donc c'est vraiment... Je tenais à le signaler. Allez, merde. Je fais tomber le mouchoir. Ouais, donc là graphiquement, alors comment dire ça, comment j'ai, pourquoi j'ai pas de sensation, parce que dans un vrai roi de rage, on n'a pas quatre, on a qu'une route normale. Là ils ont voulu faire beaucoup plus large, ça donne plus de liberté. Alors j'ai d'habitude, je critique quand il y a trop de, quand c'est coincé, mais un roi de rage, c'est fait exprès que ce soit que sur deux routes, sur une route normale à double sens. Comme ça on se dit, à un moment donné, on va sur la droite, celle-là. Et puis quand on veut se faire défrayer, on va sur la voie de gauche, parce qu'on sait que les voitures vont arriver en face. Et il y a une pression, il n'y a que ça à prendre en compte. Donc là, c'est tellement grand qu'au finalement, on s'éparpille. C'est un jeu qui nous met trop... Et en fait, c'est à... C'est à l'image de... Bon, c'est bon, ouais. De l'intro, ils veulent tout faire, tout et n'importe quoi, tout est mélangé. J'ai fait n'importe quoi, je suis arrivé troisième. Ils veulent tout mélanger. Et voilà, au final, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de sensation de... On sait que tout est grand. On peut pas, il n'y a pas d'axe de force dans ce jeu. Il n'y a plus le concept, on sait même plus quel est, si c'est vraiment un roi de rage. Il n'y a rien qui ressort de... cette première course. Déjà les musiques, ça marche plus du tout. Moi j'aimais bien les musiques des deux premiers rois de rage, même le troisième, hein, c'était le même type de... J'imagine que celles du 3 ne sont pas mémorables. Ah, maintenant j'ai une batte. Bon, on a toujours pareil les barres de trucs. Voilà, là normalement c'est déjà un peu plus roi de rage, puisqu'il n'y a que cette route là en principe, ça sera déjà mieux. Et puis bon, graphiquement c'est vrai que c'est pas... C'est vraiment dégueu, il n'y a pas un beau style. Le premier roi de rage qu'il y avait sur PS1, il ressemblait vraiment à quelque chose. Je sais pas, ça faisait... Alors c'était peut-être pas de la vraie 3D, mais au moins graphiquement, ça faisait beau. Même, regardez, même le personnage, pourtant il y a marqué vibration dans l'intro. En plus, voilà, les motos viennent là. Alors il n'y a aucune mise en scène des motos, elles y sont tout le temps. Dans un roi de rage, c'était car certains stages... On savait que... Eh merde, on savait que cette fois-ci, il fallait faire gaffe. En vrai, un roi de rage... Ah non, c'est lui qui va chercher, d'accord. Là, c'est l'ordinateur. Là, je fais rien. Regardez-moi le bon. Non, mais c'est n'importe quoi. Il faudrait qu'ils n'ont pas calculé. Ah ouais, craché, ouais. C'est l'ordinateur qui fait lui-même le... Qui retourne lui-même à la moto. On a l'impression qu'ils n'ont pas calculé que le personnage va n'importe où et la moto aussi. Alors que dans tous les rois de rage, en principe, la moto, elle est... c'était logique, elle était... on était projeté au même endroit que la moto. Sauf que la moto était un petit peu devant, ou des fois un petit peu derrière, mais c'était dans la même ligne. Là, il y a un truc qui part dans un coin et l'autre qui part dans un autre sens. Plus là, le fait de revenir, je me suis pris l'autre moto... Donc j'en reviens, ouais. Déjà graphiquement, au niveau du personnage, c'est plus du tout l'esprit d'un roi de rage, c'est plus un motard, là c'est un biker. C'est vraiment... En plus là c'est même pas un biker, on dirait un catcher, on dirait une espèce de clone de Barracuda qui veut faire biker. Franchement ça n'a aucune gueule. Graphiquement, la moto, c'est même pas beau, dans les premiers rois de rage, ils avaient de la gueule, quoi.
les personnages. Ah là, j'ai perdu ma batte. Ah non, je l'ai toujours. Dans un vrai road rush, si on se prenait un panneau, on glissait. Là, non, il y a des éléments du décor, mais ils ne servent à rien parce qu'on peut foncer dedans. Là, le seul truc qui est assez logique, c'est que voilà, les routes, là, c'est normal. Bon, là, déjà, ça ressemble un peu plus. Parce qu'on a juste une route, je vais pas vous refaire le sketch. Putain, mais ils sont bien hargneux, putain. Vraiment, les motos continuent à rouler. Là, si je l'avais pas poussé, je me prenais la moto, hein. Ben, elle est où, ma moto? D'accord, j'ai même... Putain, mais c'est même... C'est mal fait. Il n'y a même pas de marche arrière dans ce jeu. Je sais même pas si je suis en sens inverse, c'est même pas indiqué. Ah, ça va, non, parce que franchement... Le jeu n'est pas... Je ne comprends pas trop, là, il n'y a aucun... Alors qu'il est sorti bien après... On dirait que les motos m'ont attendu, alors qu'en vrai, dans un road rush, c'est fini, là, je serais déjà... Ouais, il n'y a pas de problème de mise en scène. Une vraie moto, en vrai, elle n'arrivait pas à ce moment-là. C'était certains stages. Il y avait une certaine... on savait que, voilà, là, il y a tout mélangé. Alors, si je fais la flèche du haut, ça envoie un super... un coup sauter, ça fait perdre du temps. Là, par contre, je peux pas faire... comme dans un road rush, c'est-à-dire qu'on laisse le bouton de coup appuyé avec la flèche haut, et au moment où on lâche, là j'ai un clone, ils ont pas eu beaucoup de personnages différents, quoi. Il y en a qui me ressemblent tous. Allez, un troisième qui me ressemble. En plus, là on dirait qu'on fait les mêmes tours du circuit, alors que dans un vrai road rush, on sentait qu'on était sur une portion de route. Bref, là, je peux pas charger le coup pour l'envoyer pile au bon moment. C'est ça qui était assez aussi bien dans la vraie road rush. Voilà, on tenait le coup, on le chargeait, et là, boum! Quand on pile, on passait... On bombe le truc, on pouvait lâcher le coup, voilà, il y a aucune sensation dans ce jeu. Bon, là, c'est bien, alors, je dis c'est bien, parce qu'il faut bien trouver quelque chose. Sinon, on va dire que je troll sur le jeu, ou je sais pas quoi, mais... Il y a du nivelé quand même. Bon, ah, tiens, on a un petit... pousse-toi. Waouh, voilà, ça. Oui, bon, ça, c'est dans les road rush. Des sauts comme ça, un peu improbables. Ils ont gardé ça. Putain. Mais il n'y a aucune sensation, vitesse. Mais... C'est pas... je suis mort. Ah non. Eh ben, je suis sixième. Alors, j'ai fait les poubelles, là. Peut-être vous ferai une vidéo de ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé un petit truc sympa, mais putain, j'étais en plein cagnard et ça m'a donné le rhume. Alors, je rassure les gens, aucun plaisir de jeu pour le moment. Alors, je sais pas si c'est mon personnage, encore une fois, j'ai trouvé le maniement très lourd. C'est pas du tout, le graphique est moche, le personnage n'est pas du tout charismatique, on aime pas regarder sa moto. Les coups, l'impression de toucher. Les décors n'ont pas... Pourquoi il fait la roue arrière, là, je comprends pas trop. Peut-être pour l'époque, c'était de la bonne 3D, mais en tout cas, c'est pas fun. C'est bizarre, ce premier circuit c'était sur deux voies, et puis là ils ont compris n'importe quoi. Alors là j'ai pas compris, j'ai donné un coup, là il glisse tout seul, ça me fait perdre une heure. Bon, tu te lèves, enculé. Voilà, et là j'ai été téléporté, je ne comprends pas ce jeu, qui a programmé le jeu. J'ai donné un coup avec, et d'un coup je me suis pris un coup, je sais pas pourquoi. Là, les policiers ne servent à rien parce que, en vrai, dans un vrai road rush, on peut pas taper les flics. Il faut juste les éviter. Et dès qu'on tombe, parce qu'on s'est pris une moto dans la gueule, et qu'on est à proximité du flic, c'est fini. On a perdu la partie. C'était ça le but. C'était la pression de nous dire,
faites pas le con, dès que tu tombes, c'est fini. Et si t'es tombé avant que le flic arrive et que d'un coup il arrive sur toi, parce qu'au bout d'un moment, s'il était à 600 mètres derrière toi, le temps que tu tombes, il va te rattraper, et ben là, c'est pareil. L'ordinateur, il y avait une zone où il reconnaissait si quelqu'un était dans sa zone, je sais pas quoi, zone d'arrestation, si j'arrive à sortir le mot. Voilà, c'était fini. Et c'était logique. Là, non, on nous met une moto pour faire une moto, mais il n'y a aucune pression, parce que je peux la tuer, la moto. En vrai, je peux pas la taper, la moto. Là, putain, c'est quoi ce truc où j'ai dévié d'un coup? J'ai pas compris. C'est n'importe quoi, on reçoit un coup, on bouge à... D'un coup, on n'est plus sur la même trajectoire, il y a que des bugs depuis tout à l'heure. Alors, je sais pas vous, mais la musique, on l'entend pas, elle est vraiment... Alors, ça se veut de la... du rock FM, où les gens hurlent, soi-disant des grosses guitares, le gros son. Comme dirait Maïtena, ça envoie le bois, alors que ça veut rien dire du tout, mais bon. Mais on n'entend pas. C'est des gens qui s'emmerdent à hurler, et finalement, dans la balance sonore, bien, dans le mixage, ça ressort pas du tout. Ça fait un brouhaha. Là, encore une fois, j'ai été déporté, je sais pas pourquoi. Déjà, c'est des routes pas crédibles. Dans les proies de rage, on y croyait vraiment, ça faisait un peu comme sur la route 66, je sais pas quoi, ça faisait vraiment les grandes... Pourquoi en plus, on est qu'il veut arrêter que moi, il y a que moi qui emmerde alors qu'on a plein d'autres concurrents. Donc dans un vol de roi de rage, il y avait une certaine crédibilité des routes, on avait vraiment l'impression de traverser l'Est à l'Ouest, je crois qu'on était sur des grandes portions de route dont les États-Unis ont le secret. Là, c'est pas du tout crédible, on se croirait je sais pas où... Là, normalement, sur un vrai roi de rage, je suis mort. Dans un vrai roi de rage, le flic, il est là, c'est fini, il y a marqué « Vous avez été arrêté ». Voilà, là, c'est complètement con, le temps de se retrouver. Il ne sert à rien, ce flic, voilà, et là, il attend. Je comprends pas ce flic... Là j'ai pris la... C'est quoi de glisser en arrière, on dirait que je fais un P foireux. Il met une heure à se relever. Franchement, je comprends pas trop le truc. Il n'y a pas de marche arrière. Donc... Je suis dernier, oui je suis dernier. J'ai pas d'élan, je fais le méga bond alors que dans un roi de rage, en principe, c'était selon la vitesse à laquelle on roulait, le saut était plus ou moins grand. Donc, je sais pas ce qu'ils ont calculé dans ce jeu. Là, ces décors-là, ça fait pas du tout roi de rage. Non, franchement, il est raté. Je vais pas refaire 5 fois la course, là. Ce jeu est complètement raté dans l'esprit, dans le... Sinon, ce serait pas un roi de rage, mais ce serait un jeu nul. Non, si c'était pas un roi de rage, il serait rigolo. Mais vu que les rois de rage nous avaient... Ah, maniabilité. Putain, on a beaucoup de choix, là. Bon, on va prendre le bord de mer, parce que... Médiéval, ah tiens, bon. On va prendre notre... Une dernière course pour voir, parce que si c'est toujours la même, c'est vrai que c'est pénible pour vous. Par contre, on a pas mal de choix, j'ai l'impression. On peut aller dans le sens qu'on veut. Il y a beaucoup plus, peut-être beaucoup plus de parcours, parce que c'est vrai que les deux premiers rois de rage, c'était 6 courses, ou 6 ou 8 courses. Je crois que le premier, c'était 6 courses. Le deuxième, 8 courses, un truc comme ça. En tout cas, le niveau du... Il y a les coups comme on peut envoyer, mais... Aussi, le problème dans ce jeu, c'est que, bizarrement, on a une assez grande vision de loin. C'est assez large. Ce qui fait que... En vrai, c'est pas comme ça. Je vois pas le bord de mer, mais bon. En principe, quand on tapait quelqu'un... Voilà, là... Il fait 400 mètres, il glisse. Là, le temps qu'il se lève, je comprends pas qui a fait ce système de tomber. C'était pas comme ça, même dans l'autre de PS1.
C'est des gens qui n'ont pas regardé Roadrash, c'est pas possible. Ouais, donc du coup, les voitures, il y a moins de pression parce qu'on sait qu'on peut les éviter, même si je me les prends à chaque fois, mais... D'habitude, c'est la voiture prenait bien... Mais qu'est-ce qu'elle a, cette manette, putain? On a la moto qui glisse, j'aime bien dans le virage, elle glissait. Là, pourquoi elle ralentit quand elle voit que je suis au sol? Là, c'est complètement con. En vrai, elle ralentissait pas, c'était pour ça qu'on se les prenait dans la gueule. Parce que les voitures, elles savaient qu'elles... Allez, là, je vais glisser alors qu'il n'y a rien du tout. J'ai fait... J'étais à 20 à l'heure et je glisse comme si j'étais allé à 300. Bon, on va arrêter là. Moi, je vous ai trouvé un petit full assisted Lauren. Donc, je vais zapper. Je vais vous l'enlever. Comme ça, je le garderai pour une future émission. Donc, au final, ce jeu, si vous le trouvez pas cher, oui, mais... Et puis non, j'en sais rien. Bon, ben, sur ce, ciao Pépito pour une prochaine vidéo. A plus mes puces. S'ils n'ont pas compris...